الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. روى البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقري السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. إذن نحن في الشعبة 22 في باب الزكاة، ولكن في باب الصدقة وإطعام الطعام. On est dans la 22e branche de la foi, celle de la zakat, mais sous cette branche il y a des petits chapitres et il va pas aborder aujourd'hui ce qui était rapporté sur la recommandation de donner à manger aux gens. Et le Bayhaqi a rapporté de Abdullah, fils de Amr ibn al-As, il a dit qu'un homme a demandé au messager de Dieu lequel des qualités ou des attributs de l'islam est meilleur. Alors le prophète alayhi salat wa salam lui a dit: le fait de donner à manger et de répandre le salam pour celui que tu connais et celui qui ne le connaît pas. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et dans un autre hadith que Al-Bukhari a rapporté, que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: at'imu al-ja'i' wa 'udu al-marid. Alors le messager de Dieu alayhi salat wa salam a dit: donnez à manger pour celui qui a faim et rendez visite à celui qui est malade et cherchez à libérer celui qui est prisonnier. Wa an Ali radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: inna fil jannati ghurafan yura zuhuruha وبطونها من ظهورها يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. Alors Ali ibn Abi Talib a rapporté que Sayyidina Muhammad alayhi salat wa salam a dit qu'il y a des chambres, c'est comme des tentes en perles dans le paradis. Il a dit: on voit si on est à l'extérieur, on voit ce qui est à l'intérieur, si on est à l'intérieur, on voit ce qui est à l'extérieur. فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله. Un bédouin qui était présent, il a dit: c'est pour qui, au messager de Dieu, ces chambres? Et النبي عليه الصلاة والسلام قال: لمن قال طيب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. Alors Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: ces chambres seront pour celui qui parle dans le bien, qui parle des bonnes paroles, que ce soit atab al kalam sawa fil khuluq al hasan bil amr bil ma'ruf wa nahou dhalik, celui qui parle en ayant le bon comportement, qui ordonne le bien, qui fait le dhikr, voilà, tib al kalam hadha minhu. Et celui qui répond le salam aux gens, qui adresse le salam aux gens et qui donne à manger, wa yut'imu at'am, et qui prie durant la nuit pendant que les gens sont en sommeil. وعن عبد الله بن سلام هذا الذي أسلم من علماء اليهود وبشره النبي بالجنة. عبد الله بن سلام c'était un savant juif qui a embrassé l'islam et le prophète lui a annoncé le paradis. Alors عبد الله بن سلام a dit: لما ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه. Alors Abdullah ibn Salam a dit: lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام est arrivé à Médine, les gens sont venus, ils sont courus pour aller le voir, et la parole est sortie: le messager de Dieu est arrivé, le messager de Dieu est arrivé, je suis venu avec les gens pour le voir. فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. Il a dit Abdullah ibn Salam: lorsque j'ai regardé bien son visage, j'ai connu, j'ai su que c'est pas le visage, j'ai dit c'est pas le visage d'un menteur. ليس بوجه كذاب.
فكان أول شيء سمعته يتكلم قال: يا أيها الناس افسس يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. Alors il a dit ce que j'ai entendu de lui, la première parole que j'ai entendue de lui. Oh, vous les gens, répondez le salam, donnez à manger et resserrez les liens avec les proches et priez pendant que les gens dorment, vous rentrerez au paradis sain et sauf. أيضا روى البيهقي عن طلحة بن عمرو عن قول الله عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان، يعني الجائع. المسغبة يعني يوم فيه جوع. Alors on rapporte au Talha fils de Amr, il a dit au sujet de l'aya, ou it'amun fi yawmin fi masghaba, ou donner à manger dans un jour où il y a une famine. Et il dit que Muhammad ibn al-Kadir nous a rapporté de Jabir fils de Abdullah, le compagnon, que Sayyidina Muhammad a dit parmi les champs les choses qui ramènent ou qui te ramène à la miséricorde de Dieu, le fait de donner à manger à un musulman qui a faim. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعا. Alors Anas ibn Malik disait que le prophète alayhi salat wa salam a dit: le meilleur aumône, c'est le fait de faire rassasier le foie d'une personne qui a faim. Tushbi'a kabidan ja'a, parce que la digestion passe par l'estomac, après passe vers le foie. Mais la digestion, il y a trois digestions, je pense. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. Alors Shabi, البيهقي a rapporté par une chaîne jusqu'au Shabi, a dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'importe quel croyant donne à manger à un autre croyant qui a faim, Allah Ta'ala lui donne de parmi, il lui donne dans le paradis, des fruits du paradis. Et n'importe quel croyant donne un habit à un croyant qui est découvert, qui n'a pas de quoi s'habiller, Allah Ta'ala lui donne de l'habit verte du paradis. Et n'importe quel croyant donne à boire à un croyant en ayant soif, Allah Ta'ala lui donne à boire de Ar-Rahiq Al-Makhtoum, c'est une boisson spécifique dans le paradis. وفي هذا قريب منه, il rapporte de Abi Sa'id Al-Khudri du prophète alayhi salatu wassalam. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب, ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش, فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني, فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى ارتقى فسقى الكلب فشكر الله له وغفر له, فقالوا: يا رسول الله, وإن لنا في البهائم لأجرا,
قال في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني لم حيوان إذا سقيته فارتوى هذا الحيوان لك أجر، رواه البخاري ومسلم. Alors de Abi Huraira que le messager de Dieu alayhi salat wa salam a dit pendant qu'un homme marche et il a eu très soif, il a trouvé un puits, alors il est descendu et il a bu, puis il est sorti, alors il a vu un chien qui qu'on voit sur lui qui a sorti la langue, qui est en train de manger la terre. Il avait tellement soif. Alors l'homme, il a dit, oh, le chien a eu soif comme moi. Il était dans un état comme moi. Alors il est descendu dans le puits et il a pris son soulier, il l'a rempli. Et puis pour qu'il arrive à grimper, il a porté les souliers par la bouche. Et il est descendu, il a donné à boire. Et il lui a donné comme ça jusqu'à que le chien était désaltéré. Allah Ta'ala lui a accepté ce qu'il a fait et il lui a pardonné. On a dit au messager de Dieu, et on a de la récompense lorsqu'on donne à manger ou à boire avec les animaux. Et il a dit dans chaque être vivant lorsque tu le fais boire, son foie après sera désaltéré. Alors il a dit, vous avez de la récompense, rapportée par le Bukhari, avec une chaîne et muslim aussi. معناه لما تسقي أنت الكلب لما سقيت القط أما ونحو ذلك لك ثواب. وفي الحديث قال سمعت عياض ابن مرثد ابن عياض يحدث عن رجل منهم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخل الجنة. L'Al-Bayhaqi a rapporté avec une chaîne qu'un homme, il a dit au messager de Dieu, parle-moi, indique-moi un acte qui fait rentrer au paradis. قال هل من والديك أحد حي. Le prophète والسلام, lui a dit, est-ce qu'il y a un de tes parents qui est vivant? قال لا. Il a dit non. قال اسقي الماء. Le prophète il lui a dit, donne à boire. قال كيف أسقيه. Il a dit, comment je donne à boire. قال تكفيهم إذا حضروا وتحمل عليهم إذا غابوا. Alors il a dit, si les gens viennent vers toi pour boire, tu leur donnes. Et si jamais tu connais, il y a des gens qui sont à loin et ils ont besoin de l'eau, tu leur portes de l'eau. إذا حضروا تكفيهم وإذا غابوا تحمل إليهم. وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي في إناء أخيك. سيدنا محمد إلى دي أبو ذر ne dénigre jamais un acte de bien, ne serait-ce que le fait de regarder ton frère avec un visage souriant, tu souris à ton frère, et que le fait que tu vides de ton seau dans le seau de ton frère, حتى هو يعني يذهب بدلو مليء وأنت تنتظر. Alors tu vides de ton seau pour lui, pour que peut-être lui il est pressé ou il a besoin plus que toi, tu lui fais ça. وعن سعد بن عبادة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. هو في حديث أنه إن أمي لو تكلمت لتصدقت، أينفعها أن أتصدق عنها؟ نعم. قال نعم. فقال أي الصدقة أفضل؟ On parle de سعد إلى دي. Et quelle aumône est meilleure؟ قال سقي الماء. Il a dit le fait de donner à boire pour les gens. أو قال اسقي الماء فسق. اسقي الماء، دون أبواغ دلو. فسقاية أم سعد بالمدينة اليوم. هلأ هذه الكلمة فسقاية أم سعد هذا من كلام الحسن. الحسن قال يعني من بعد سعد بن عبادة بقيت تلك السقاية من
من وقت ما سقى سعد بن عبادة يسقي الناس فبقي الناس يفعلون من أولاده ويسقون. Alors سعد بن عبادة il donnait à boire et ça restait jusqu'au temps de Hassan. Il a dit voilà à Médine ceux qui donnent à boire c'est ces deux Siqayat Ummi Sa'd, la mère de Sa'd qu'on fait le monde pour elle. وهذا يفيد أن إذا مات الميت فتصدق عنه أهله ينفعه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فأجاب نعم. لأن الوهابية ينكرون لما الإنسان يوزع حلوى عن روح الميت يقولون بدعة. هذا لأنهم جهال. Le fait de donner à manger ou à boire comme au monde pour ta mère, pour ton père qui sont décédés, c'est beau, profitable pour eux. هذا ينفعهم. واسمعوا الآن. Écoutez maintenant شيء عجيب. سمعت يقول البيهقي يروي عن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابن المبارك وسأله رجل يا أبا عبد الرحمن قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به. Alors quelqu'un il a dit à Ibn al-Mubarak, oh Ibn al-Mubarak, oh Abu Abd al-Rahman, j'ai eu une, comme tu dis, une inflammation, une furoncle, quelque chose comme ça, dans le genou, depuis 7 ans, et j'ai cherché toutes sortes de remèdes, de guérisons, de médicaments, j'ai été vers les médecins, rien n'était profitable pour moi. قال فانظر موضعا يحتاج الناس إلى الماء فاحفر هناك بئرا فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرئ. Il lui a dit عبد الله بن المبارك va vers, cherche un endroit où les gens sont dans le besoin pour l'eau. Fais un puits. J'espère que au moment que vous creusez et que l'eau jaillit, le sang là, le maladie là, l'inflammation s'arrête. Alors il a fait et il n'a plus après, il n'a plus la maladie. Encore quelque chose de très étonnant. يروي البيهقي وفي هذا المعنى البيهقي عم يروي عن شيخه الحاكم أبي عبد الله نيسابوري صاحب المستدرك قال وفي هذا المعنى حكاية قرحة شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وبقي فيه قريبا من سنة. Alors le Bayhaqi suite à ça il dit que notre cheikh Abu Abdullah al-Hakim, l'auteur du livre al-Mustadrak, il a dit qu'il avait dans son visage des inflammations ou des furoncles, voilà, et puis il a cherché à se soigner mais il n'a pas trouvé guérison et il a fait une année dans cet état. فسأل الأستاذ أبو عثمان الصابوني أن يدعو له. هذا إمام كبير من أهل السنة والجماعة من أمة الحديث. وقيل له الصابوني من أجل صناعة الصابون. Alors il a demandé au grand maître dans le hadith qui s'appelait أبو عثمان الصابوني. إن شاء الله هذا كان سنيا عقيدته عقيدة أهل السنة الأشاعرة. وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس في الحديث في المنام لما رأى قال عليك بعقيدة أبو عثمان الصابوني. المهم سأل الحاكم قال لي أبي عثمان ادعو الله لي في عن دعاء pour moi يوم الجمعة تدعو له. هو كان له مجلس إلى في une séance tu me fais un dua le jour. فدعا له وأكثر الناس التأمين. Il a fait du'a et les gens, ils étaient avec lui. Ils répétaient Amin, Ya Rab Ajib, dans le sens, parce que vous connaissez Amin, يعني, Ya Rab Ajib. فلما كان من الجمعة الأخرى, le vendredi d'après, ألقت امرأة رقعة في المجلس. Une femme a mis comme un petit papier ou un tissu, il y a quelque chose écrit. بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم. هذه المرأة que le vendredi passé il a été chez elle, il a fait beaucoup de dua pour le hakim pour qu'il trouve guérison.
قال فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها قولوا لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. Alors, elle a vu le prophète عليه الصلاة والسلام, c'est comme elle lui dit, dites à Al-Hakim, Abu Abdullah, dites à Abu Abdullah qu'il donne de l'eau, qu'il fait l'aumône en donnant de l'eau aux musulmans. فجاءت بالرقعة إلى الحاكم. Alors on a amené la feuille ou le tissu sur laquelle la femme a écrit qu'est-ce qu'elle a vu le prophète عليه الصلاة والسلام dire. فأمر بسقاية الماء. أمر بسقاية الماء. Alors il a ordonné qu'on donne à boire aux gens. وطرح الحمد في الماء. ما المراد وطرح الحمد في الماء؟ Est-ce que on a écrit sourate al-hamd, Allahu a'lam, wa akhadha an-nas fi al-shurb, alors et les gens ils ont commencé à boire. Qal fa ma marra alayhi usbu' hatta dhahara ash-shifa' wa dhahabat tilka al-quruh wa 'ada wajhuhu ila ma kan wa 'asha ba'da dhalika sinin. Alors une semaine après, al-hakim n'a plus de maladie dans son visage et son visage est revenu comme l'état avant la maladie, il a vécu après des longues années ou des années. إذن تصدق بالماء هو ورد في حديث أفضل الصدقة الماء والمليحة. المنيحة اللي هي إيش؟ الشاة العنز التي في الصباح مثلا تحلبها ثم في المساء تحلبها. Alors le hadith, le meilleur aumône c'est l'eau et la chèvre ou la brebis qui tu la traites deux fois par jour. Et tu vois, tu donnes à une famille pauvre une chèvre ou une brebis, et à deux reprises, ils auront un litre de lait. Masha'Allah, c'est une bonne chose. Et ces moutons, tout ça, c'est facile à leur donner à manger. إذن في الحديث نعم الصدقة اللقحة الصفي والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. On parle de quelle aumône la brebis ou la chèvre qui donne le matin un récipient et le soir un récipient. باب ما جاء في كراهية إمساك الفضل عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل إن تبذل الفضل خير لك الفضل ما يزيد عن حاجتك وإن تمسك شرا لك. Alors le message de Dieu عليه الصلاة والسلام a dit au fils d'Adam, si tu donnes ce qui est plus de tes besoins, c'est mieux pour toi, et si tu le gardes, c'est mauvais pour toi. ولا تلام على كفاف, يعني إذا واحد ما عنده إلا ما يكفي لا يلام. Si la personne il n'a rien à donner en plus, il a seulement juste ce qu'il a besoin, لا يلام, on le reproche pas sur ça. وابدأ بمن تعول, et tu commences après pour ceux qui sont autour de toi, tes parents, ton épouse, tes enfants. واليد العليا خير من اليد السفلى, la main haute c'est mieux que la main basse. La main basse, ce n'est pas celle qui prend. La main basse, c'est celle qui demande. Al-yad al-soufla, c'est celle qui t'a reçu. Parfois, il y a un homme qui est karim, ou un chari, ou un homme qui n'est pas afif, ou qui n'est pas chari, qui n'est pas متعلق le cœur avec le mal. Mais, جاءه من غير شرع وهو بحاجة. إنما اليد السفلى هي التي تطلب. اليد العليا التي تعطي. السفلى هي التي تأخذ مع الطلب. ولو كان السؤال لمن هو محتاج ليس حراما, أما السؤال لمن هو مكتف حرام. الشحادة, ممكن إنسان كان فقير فأخذ صار عنده كفاية, لا يجوز له أن يبقى يقول هذه صارت مهنتي, لا يجوز. Alors la main basse c'est celle qui demande, c'est pas seulement la main qui prenne, parce que des fois la personne il prend et il est dans le besoin et il n'est pas attaché à l'argent, il ne court pas derrière, mais puisqu'il est dans le besoin il prend. Au Sayyidina Muhammad Khan
أخبر عبد الله بن عمر قال إن جاءك من هذا المال فتموله، يعني أنت من غير شره، tu n'es pas attaché, tu n'as pas couru et un bien est arrivé vers toi. خذه إن كنت بحاجة تنفق وإلا فتنفق على غيرك. Si toi tu n'as rien cherché, quelqu'un il veut te donner de l'argent, tu lui dis pas non. Si tu es dans le besoin, tu prends et tu dépenses pour toi. Si tu n'es pas dans le besoin, tu le prends et tu donnes aux autres. وفي الحديث أيضا أن عن أبي سعيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ جاءه رجل على راحلة فجعل يصرفها يمينا وشمالا. Alors Abu Saïd a dit nous étions avec le prophète عليه الصلاة والسلام dans un voyage. Un homme est venu sur une monture et cherchait à l'orienter à droite à gauche. قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده فضل من ظهر فليعدو به يعني يعطي إلى من لا ظهر عنده. Celui qui a des montures en plus, qu'il donne de ce qu'il a en plus pour celui qui n'a rien. ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. Et celui qui a quelque chose comme nourriture en plus de ce qu'il a besoin, qu'il donne à celui qui n'a pas. وذكر أصناف الأموال حتى رأينا أنه حتى لا حق لأحد منا في فضل عنده رواه مسلم. يعني معناه أنه المطلوب أن يفعل وليس. Alors à chaque fois le prophète a cité beaucoup de sortes de biens jusqu'à on a dit que on n'a pas alors à garder un bien en plus si on a quelque chose en plus qu'on donne. هذا الذي كان عليه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان لا يرى أن يمسك الإنسان الفضل. Il voyait qu'il ne faut pas garder quelque chose plus de ce que tu as besoin. Il y a quelque chose en plus, alors tu le donnes, tu ne le gardes pas. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.